Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de ce lundi 21 juin 2021. J'espère que vous avez passé un joli week-end et que vous allez toutes et tous bien. Nous continuons cette semaine avec la thérapie par les anges. Ce sont des messages de guérison pour chaque aspect de notre vie que nous vivons ici sur Terre. Alors les anges, ah j'adore les anges, hein, je pense que vous le savez maintenant, les anges ont une toute autre perception des situations de la vie courante que nous vivons ici sur Terre. Et leur message nous aide à guérir nos croyances et nos pensées en changeant tout simplement notre manière de voir. Et ils nous rendent plus forts et aimants. Et ils nous enseignent aussi comment nous servir de nos sens spirituels pour voir, pour entendre, pour sentir et connaître le vrai monde, celui qui transcende les problèmes du monde illusoire. Nous allons commencer la semaine avec j'ai choisi la dépression. Ce n'est pas anodin, n'est-ce pas? Ce sont les anges, hein, qui vous parlent. Nous sommes tout prêts lorsque vous vous sentez opprimé. Nous apercevons votre tristesse, n'est-ce pas? Non pour la comprendre, mais pour nous réjouir de votre rayonnement qui semble vraiment plus vif. Une fois que vous tournez vos ardents désirs d'amour vers l'intérieur, vous vous repliez sur vous-même dans la tristesse et aboutissez à la révélation, de laquelle est bien née la joie. Votre sagesse a utilisé cette énergie pour vous ressourcer, née en douceur. Car au moment où vous vous tournez vers l'intérieur pour panser vos blessures, eh bien nous berçons doucement votre âme dans nos ailes et nous vous tenons, même lorsque vous ne voulez pas sentir notre présence vous encercler. Vous nous fermez la porte. Néanmoins, avec une certaine conscience que votre appel à l'aide vers nous a reçu une réponse. Aussi, bien que vous désiriez examiner la brûlure de vos blessures, nous vous offrons un bouquet d'allégresse qui vous tire de votre tristesse et vous fait entrer dans le paradis qui est en vous. Alors, lorsque vos émotions oscillent, sachez qu'il s'agit de la révélation de votre gloire à travers les nuages que vous semblez porter en vous. Parfois, vous avez grande envie que ces nuages vous couvrent de tristesse afin que vous puissiez passer du temps tapis dans l'obscurité. Vous vous servez de la tristesse comme d'un moyen pour échapper à un monde que vous choisissez de voir comme cruel et exigeant. Nous applaudissons la grâce qui vous permet de vous tourner vers l'intérieur, doux enfant du ciel. Mais encore, faut-il que vous vous tourniez vers l'intérieur chaque fois que celle-ci vous fait signe, n'est-ce pas? Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, le ici et maintenant, pour retourner au repos réconfortant où vous étiez il y a seulement un instant. Que ce soit aux heures maussades ou aux heures lumineuses,
Réconfortez-vous souvent en vous abreuvant de votre puits intérieur. C'est vous qui êtes maître de votre temps, n'est-ce pas? Et nous vous encourageons avec plaisir. Qu'importe la perspective que vous adoptiez, cependant, voici de quoi vous stimuler. La tristesse est tout aussi facile à choisir que l'est la lumière étincelante. Nous ne négligeons pas vos chagrins. Nous vous cherchons simplement un chemin de joie pour vous, alors que votre phare étincelant indique aux autres de sortir prêtement de la tempête pour se réfugier dans leur sanctuaire intérieur. Servez-vous de votre phare pour faire rayonner la chaleur chez les autres et sentez votre propre froideur se dissiper rapidement. Aux yeux des autres, vous êtes un refuge contre la tempête. Et vos plus grands moments de gloire servent de phare aux âmes souriantes. Votre nom est écrit dans le ciel comme un brillant exemple pour ceux qui ont les mêmes chagrins. Alors servez-vous de l'élan de la tempête pour prendre, de la force. Sentez la pulsation de la tempête vous pousser vers l'avant, ainsi vous procurant courage et épanouissement. En fait, le sursis de votre dépression est utilisé avec sagesse lorsqu'il vous donne la force de ne plus être votre propre ravisseur. Nous vous voyons vous dégager allègrement de l'encerclement de l'obscurité et quitter les murs de votre prison. Les orages, les orages deviennent donc des applaudissements qui ne peuvent plus vous effrayer lorsque vous le placez dans ce contexte. Votre souffle est la force vitale qui vous propulse afin de trouver une douce brise qui vous caresse les joues. Votre entourage n'est alors que le reflet de vos choix et des jours plus doux viennent même à vous. Nous ne pouvons intervenir dans vos comportements si vous décidez de nous tenir à distance, n'est-ce pas? Alors servez-vous de nos battements pour ouvrir les ailes de votre cœur et sentez la lumière entrer à flot. Quoi que vous puissiez craindre, plus de souffrance, de l'obscurité. Votre choix devient, l'essence même de la direction dans laquelle votre vie vous conduit, n'est-ce pas? Ne vous prenez pas pour une victime, car vous avez été le ravisseur de votre propre âme. De même que vous êtes le libérateur de chaque être avec qui vous entrez en contact. Choisissez donc la liberté pour tous et vous choisirez la liberté pour vous-même, n'est-ce pas? Aussi, en cette claire journée, votre gloire est-elle visible à des kilomètres? Car vous êtes un brillant exemple et faites voir aux autres cet éclat de liberté en vous. Vous êtes la liberté que les autres cherchent à présent.
ne vous imposez aucun fardeau, en pensant qu'une telle charge vous voudrait la gloire. Elle ne fait que vous retarder. Alors, ne vous imposez plus une telle pénitence. La mélancolie que vous appelez dépression n'est qu'une manière inversée de regarder le monde. La reconnaissance que vous recherchez vous est acquise à présent. Vous n'avez pas à la stimuler ou à la forcer. Néanmoins, ne cherchez pas la gloire pour vous-même, mais en toute chose, ne la cherchez que pour le Créateur et vous verrez votre nom écrit d'un bout à l'autre du ciel, au sein de son nom et pour toujours. Alors cherchez la reconnaissance, dont non dans la dépression, n'est-ce pas, qui équivaut à un terrier dans le sol. Hissez-vous au sommet de la découverte et ayez foi en son nom qui est en vous. Ne permettez à aucun humain de vous voir vous tenir sur autre chose que ce sol sanctifié et faites-vous un point d'honneur de guider les autres avec votre phare. En cela, eh bien, il n'y a pas de capture. Je vous souhaite une excellente journée lumineuse. On se retrouve demain pour un nouveau message de guérison avec les anges, n'est-ce pas? Et d'ici là, je vous embrasse tout fort et portez-vous bien. À demain.